RTL, 11h-12h30, à la bonne heure, Stéphane Bern. Bonjour à tous, chers auditeurs. Je suis très heureux de vous retrouver, comme tous les matins, en direct et en public. Merci, cher public. Sur RTL pour À la bonne heure, voilà une nouvelle semaine dans la joie et la bonne humeur qui commence. Une heure et demie en tout cas d'humour, avec une joyeuse bande qui est très en forme ce matin. Vous allez pouvoir les entendre. C'est les filles, on est très excitées. Oui, on a une émission spéciale aujourd'hui. Ah, bon, on a un invité en face invité de nous. Aïe, 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 aïe. Ah, c'est ça, Liane Folly. Merci, bonjour tout le monde. Bonjour. Charlotte Desgeorges. Bonjour. Et qui est très... Excité aussi. Non, pourquoi? J'étais pas comme ça avec Jean-Louis Debré, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, oui. Patrice Carmouze, vous venez d'entendre sa voix. Régis Maillot est là également. Bonjour. Et puis la chronique télé d'Éric Dussard, sans oublier la douce voix de Raphaël qui va nous accompagner. Bonjour. Bonjour. Elle n'est pas douce celle-là. Non. Ça. Bonjour. Ah, c'est voilà, mieux. Plus suave. Voilà. Je vous présente notre invité. Personne ne lui en aurait voulu de prendre une retraite bien méritée de champion de tennis après sa victoire de Roland-Garros en 83. On l'aurait retrouvé avec plaisir même, ouvrant des boutiques de vêtements ou animant un club des anciens entre deux exhibitions de vétérans au profit d'une association comme la balle tourne pour les sportifs. Il y a la roue tourne pour les chanteurs, il y a la balle tourne. C'était sans compter sur son énergie. Faut pas que je rie à mes propres blagues. C'est ce qui me fait rire. Les joueurs ont eu des revers. C'était sans compter sur son énergie débordante et son désir de s'éclater sur scène avec ses potes. Il est l'un des rares sportifs de haut niveau à avoir réussi sa reconversion, à avoir changé de vie en restant au zénith de sa popularité, puisqu'il est toujours à la première place du classement des personnalités préférées des Français. Non content de publier régulièrement des albums, tels le dernier Frontières, qu'on adore, qui sont des succès, il remplit le Stade de France, comme tous les zéniths. Il va se produire, vous allez voir, en novembre, en décembre, avant l'Olympia en mars. En attendant la sortie de son double DVD live, il publie un livre de photos avec le photographe Pingouin, on va parler. 10 ans de ma vie au chêne, avec nous ce matin, vous l'avez reconnu, c'est Yannick Noah. Ouais. Bonjour Yannick. 10 ans de ma vie, des photos de pingouins. Alors, quand je dis des photos de pingouins, c'est pas des photos avec des pingouins. C'est Yann Arthus de la France. C'est Pingouin, c'est le nom du photographe. Ah. Oui, hein, mon ami depuis 15, ça fait longtemps. Hein. 15 ans, ouais. 15 ans, 15 ans, ouais. 15 ans, voilà. Mais en fait, pourquoi il s'appelle Pingouin? Bah ça, il faut lui demander. Voilà. Mais pourquoi t'appelles Pingouin? Parce qu'il aime les pingouins. Parce qu'il adore les pingouins, en fait. Voilà. Ouais. Alors, c'est son nom. Mais c'est étrange parce que vous n'aimez pas être pris en photo. C'est étrange de faire un album, un livre de photos. Vous détestez poser et pire encore, vous détestez sourire. Non, c'est poser qui est difficile. Mais bon, avec Pingouin, ça se passe très, très bien. Il capte des moments de vie. Et voilà, fait. C'est un ami. Je le sens pas, je le vois pas. Mais par contre, j'aime bien regarder les photos après. Mmh. Mais j'ai horreur de poser. Mmh. Et donc, il fait ça très bien, on fait équipe. Et puis, quand il en a trop, bah, on fait un petit livre. Il se fait plaisir, et moi aussi. Mmh. Vous dites, en fait, que vous adorez les photos volées sur l'instant. Ça, c'est un message que vous envoyez à vous aussi, Closer et Public. Oh, ils ne se gênent pas. Non, ils ne se gênent pas. Ils ne se gênent pas. Moi, je n'ai pas à me plaindre. Vous dites que dans le domaine artistique, il faut surtout être dans l'action, dans le présent, se projeter même dans l'avenir, sans regarder derrière soi. Mais vous avez été obligé pour ce livre de regarder dans le rétroviseur. Est-ce que vous êtes effrayé parfois par tant d'activités et ce sentiment d'avoir cette vie en une semaine? Alors que je rappelle que vous êtes monogame. Hein, ça va, officiellement. Ça va très... Non mais c'est vrai que ça va très vite. Et le fait d'avoir des photos comme ça me permet de, voilà, d'avoir des souvenirs. C'est un peu un album, oui. Un album de souvenirs. Il y a des semaines qui vont tellement vite où on se retrouve à faire une quinzaine de villes. J'arrive de Roumanie. J'ai fait Lina, vous avez vu l'Inastase? J'ai vu l'Inastase, j'ai vu Nadia Comaneci. En 48 heures, on a fait 9 villes. Et j'ai fait plein de photos parce que, bien entendu, je me souvenais de rien le deuxième soir. Vous êtes un peu comme les Japonais, ils prennent tout en photo et quand ils rentrent chez eux, ils revoient ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont vu, parce qu'en fait, ils n'ont rien vu. Ils sont pas complètement fous, en fait. Non, ils ont, parce qu'ils ont 10 jours de vacances, donc ils font toute l'Europe. Absolument. En 10 jours. J'ai un côté japonais. Il y a un peu de ça. Ouais. Parce qu'en fait, vous ne voyez rien des villes, vous n'en profitez pas. Je ne vois rien, je ne vois personne. C'est horrible. Bon, en même moment.
Au même moment, vous sortez un double DVD live donc Yannick Noatoum. Et mais ça ne s'arrête jamais, vous êtes en tournée tout le temps, il y a l'Olympia du 22 au 27 mars. Mais au fond, ce qui vous plaît dans la tournée, c'est la vie de famille. J'aime jouer, oui. J'adore ça, j'adore chanter, oui. J'adore ça. J'adore être avec les potes, j'adore faire de la musique, j'adore rencontrer le public, j'adore être sur scène. Et j'adore être payé pour ça. Mais ça tant mieux. C'est quel luxe, quel privilège. Sûr. Voilà, je suis heureux le matin quand je sais que le soir j'ai un concert, je passe une très bonne journée. Donc voilà, faire une tournée pour moi c'est un luxe. Alors ce qui est fou, c'est qu'il y a plein de jeunes, par exemple vous le racontez d'ailleurs dans le livre de l'association Faites le Mur, qui ne savent même pas que vous avez été champion de tennis avant. Et on les vire ceux-là. Non, les bas. Mais c'est pas grave, faut leur dire, c'est pas très grave. Sauf que là évidemment vous leur construisez des... Je leur dis c'est tennis. Grave, vous êtes virés, vous comprenez pas. Mais c'est plus de mignon, non? Mais ça fait tellement longtemps, ça fait plus de 20 ans que j'ai arrêté de jouer, donc forcément, mais cette génération, voilà, la génération d'avant, ils ne se souviennent pas. On leur monte en boucle des films de moi quand je jouais à l'époque. Voilà, comme ça, voilà. Mais c'est vrai qu'on se souvient tous des images de votre victoire. On a chaque fois des frissons, on pleure en même temps que vous. Enfin bon, c'est pas une horrible. Non, c'est pas le moment de la séquence émotion. Alors, vous dites, Yannick Noah, je ne ressens aucune nostalgie par rapport à la vie de champion que j'ai menée. Jamais... Pourtant, vous y pensez de temps en temps. Vous racontez même le rêve que vous avez fait. C'est plutôt un cauchemar, d'ailleurs. La veille de la finale contre Mats Wilander. Mm-hmm. C'est impressionnant, ça. Ouais, je sais pas. Comme des fois, on peut, je sais pas, flipper la veille d'un examen la veille de, je sais pas, d'un... d'une scène ou d'un concert, voilà, on flippe. Ça arrive, certains concerts, les premiers, on flippe un peu. Mais là, en l'occurrence, j'ai rêvé. C'était une très très belle, une très belle préparation de sophrologie en fait, parce que je perds le match, c'est très précis, tactiquement je fais plein d'erreurs, etc. Et je me réveille alors que j'ai perdu la balle de match. En fait, c'est ça qui me réveille, c'est cette espèce de tristesse. Et quand je me réveille, je m'aperçois que c'était un rêve. Mais je me souviens très clairement de ce qui s'est passé. Ce qui est assez rare. En général, j'oublie les rêves. Mmh. Et là, en l'occurrence, je m'en souvenais très très bien. Et c'était à la fois intéressant parce que j'avais plein d'informations et génial parce que je me disais, tiens, j'ai une deuxième chance tout de suite. Et là, je ne l'ai pas laissé passer ce coup. Deuxième fois, il n'y a aucune chance. Ce qui est intéressant, c'est que vous dites, au fond, cette victoire n'était pas un aboutissement, mais le début d'une nouvelle quête. J'ai rêvé de ça tout jeune, en fait. J'étais stagiaire à Roland-Garros, on avait des pioles, on dormait là. Et c'est vrai que on allait voir le central vide, on se rêvait joueur, quoi, tout môme, avec les copains. Et donc, voilà, c'était mon objectif. Et d'atteindre ça, c'était la fin de ce premier cycle. Après, il a fallu que je me trouve d'autres rêves. C'est venu plus tard. Mais en même temps, avec vos potes, parce que ça a commencé, la musique a commencé notamment avec Guillaume Villas, avec Mats Wilander, avec vos potes de tennis, vous avez commencé à chanter. C'était un peu, on se sentait un petit peu à l'étroit, c'était un petit peu douloureux de cette compétition. On était la première génération de vrais professionnels de tennis. Avant ça, c'était des semi-professionnels, mais là, on était vraiment la première génération. Donc, les premiers athlètes comme ça, médiatisés à ce point-là... et surtout un sport professionnel individuel. Et c'était parfois pesant. Des fois, on avait besoin d'équipe, des fois, on avait besoin de partage. Et sans aller s'amuser à taper des balles pour rigoler, c'était pour nous l'occasion de poser un peu les armes, d'aller faire de la musique ensemble, sans se le dire. Parce que, bien entendu, souvent, on devait se jouer les uns contre les autres, les uns les autres, quelques jours après. Donc, il y avait toujours cet aspect de la compétition. Mais lorsqu'on se retrouvait en studio, c'est l'occasion où on posait un peu les armes. Voilà. Et puis certains, vous préférez chanter avec eux que jouer avec eux. Henri Lecomte, par exemple, vous dit je préfère chanter avec lui que jouer au tennis contre lui. Aujourd'hui. J'ai des très bons souvenirs avec Henri de joueurs. On a gagné Roland-Garros ensemble en double. On a plein de belles aventures ensemble. Il a gagné la Coupe Davis. J'étais capitaine. Il m'a offert un des plus beaux moments de ma vie. Et Guy Forget, vous lui donnez un nom dans le livre. Ah bon? Guili, Guili, Guigui. Ouais, ça, c'est. Oui. Ah ouais? Tu dis ouais. C'est dans le livre, ouais, ça? C'est dans le livre, oui. Bah alors, Pingouin, c'est quoi ce travail? c'est Guili, Guigui. C'est mon petit Guy. C'est mon petit Guy. Bon, c'est mon petit frère, Guy. On se connaît depuis qu'on est môme.
C'est vrai que vous détestez vous voir à la télévision, ouais. sur l'écran aussi, parce que vous avez oui. fait des films, oui. Safari, vous en parlez, et puis King Guillaume, oui. et vous détestez entendre votre voix également. Oui. Ah oui, c'est terrible. Et par exemple, quand vous passez... Non, c'est terrible que dans un micro, on fait un métier public. Et quand vous passez devant une pub, vous avez la pub... pour les slips, oh, là, sluggy, oui, on s'en souvient. Là. Comment ça, vous en souvenez? Ah, bah oui, ah, c'est là où vous avez eu un accident de voiture devant. Elle s'en est parmise, la pauvre appel. Et oui. Enfin, et en fait, vous dites dans le livre que c'est parce que c'est pour montrer qu'on peut encore être bien foutu à 50 ans. Il fallait bien que je dise quelque chose. il faut bien répondre. Non, c'était des photos. Ils ont pu trafiquer un peu les photos. Donc moi, ça m'a arrangé. Et puis encore une fois, bon, mais c'était un contrat que je ne pouvais pas refuser. Bah oui. J'aime bien cette honnêteté. En fait, il y a un endroit dont vous parlez dans le livre, c'est Kribi au Cameroun, où vous ressourcez en dégustant des chenilles vivantes et des sauterelles. Ça capture l'imagination. Oui, il y a pas que ça. Dit, Non, c'est très bon, en fait. C'est très bon. Comment, les sauterelles et les chenilles? Alors, les sauterelles, ce sont des sauterelles bon, particulières. Bon, bah, vous enlevez toutes les ailes, les pattes, etc. Ça ressemble un peu à la crevette. Voilà, un petit goût de crevette, vaguement. Vous savez, on mange bien des grenouilles ici. Mmh, bien sûr. Oui, oui. C'est bon. Enfin, non, mais il me regarde. Vous ne voyez pas, mais il me regarde. Attends, mais de quoi il me parle? Attends, mais ça va, quoi. J'aime pas les grenouilles? Les cuisses de grenouilles? Bah, je sais pas, les escargots. C'est dégueulasse. Enfin, moi, j'adore ça, mais c'est dégueulasse. Oui, c'est vrai. À la base, voilà, oui. Bon, après, les chenilles, ce ne sont pas des chenilles. Ce sont des chenilles particulières. Alors, c'est des chenilles. Elles ont été élevées pour. Ouais, non, ce sont des chenilles qui viennent des palmiers. Elles sont, voilà, il n'y a pas de. Mais il y a une petite sauce avec ou pas? comme les sushis. Non, il y a des sauces. Non, ça fait partie toujours des interrogations. C'est le premier qui a mangé ça. Oui, les escargots. Il n'avait pas le choix, le premier. Exactement. Il était dans le Koh Lanta. Mais les autres, ça n'est pas obligé de suivre. Une question d'actualité quand même, Yannick, vous avez dit, en 2007, vous étiez résolument engagé auprès de Ségolène Royal. Vous allez prendre parti là, pour les élections présidentielles ou pas? Ouais, du changement. Ah oui. Ouais. En fait, j'avais peur que ça se passe mal et ça s'est pas très bien passé. Et donc, j'ai pas changé d'avis. Oui. Bah oui, il vous a pas convaincu, le président. Pas des masses. Non. Et donc, vous êtes toujours là, vous avez dit, s'il passe, je me casse, et en fait, vous êtes là. Bah, c'est-à-dire que je suis parti un moment. Oh, oui, et puis vous êtes revenu. Ouais. Bah oui. Bah oui, vous l'aimez, le pays. En même donc carrément. On sait pour qui. Non mais oui, on sait pour qui vous allez vous exprimer. Je sais pour pas, les primaires. Non, je sais pas, j'attends. Non, vous attendez. Ouais, j'attends comme beaucoup de gens de l'opposition, j'attends. J'attends. J'espère qu'on va pas trop se crêper le chignon. Non. Et que voilà. Avec votre coiffure, en plus, vous pouvez parler, vous. Ça le ferait. Alors, on a Pingouin avec nous parce que c'est. Bonjour, Pingouin. Bonjour. C'est votre vrai nom, donc Pingouin. C'est un surnom qu'on m'a donné il y a très longtemps. Ah oui, pourquoi? Parce que vous aimez les pingouins? Presque, oui. Presque. D'accord. Enfin, j'aime les pingouins, oui. Alors, vous le suivez depuis des années, Yannick Noah? Oui, j'ai connu Yannick il y a une quinzaine d'années maintenant, grâce à Carole Frédérix. Oui. Je travaillais avec Carole Frédérix et j'ai connu Yannick comme ça. Mm-hmm. Et quand Carole est partie, on a décidé de travailler ensemble. J'ai proposé mes services à Yannick, il a dit qu'elle dit on tape là, et puis on est parti comme ça ensemble. D'accord. Alors il dit des choses très aimables sur vous dans le livre, évidemment, que vous êtes très discret, on ne vous voit pas, vous disparaissez dans le décor, ce qui est plutôt bon signe, parce qu'on n'a pas le sentiment d'avoir quelqu'un qui vous prend en photo. Il est facile à photographier ou pas? Il est facile à photographier? Ben oui, oui, c'est pour moi, oui. Pour moi, oui. Et en tout cas, ça sert de mémoire, parce qu'évidemment, ce livre, c'est, comme il n'a pas le temps de se soucier de ce qu'il fait au quotidien, vous rappelez, vous rafraîchissez sa mémoire sur où il était, ce qu'il a fait, qui l'a rencontré. C'est surtout ce que j'aime faire dans la photo, c'est les souvenirs. Pour moi, les souvenirs font partie de la vie et c'est ça qui est important dans la photo. Je préfère faire des photos prises sur le vif, comme ça, que commencer à passer mon temps à étudier la lumière, à mettre les projecteurs. Monsieur, vous n'avez jamais eu envie de proposer vos services à DSK pour savoir, parce que parfois... Il ne se souvient plus avec qui il était. Non. Oui, mais il faut déclencher assez rapidement l'appareil, là. Petit oiseau va sortir. Ah oui. Oh, la grosse bête.